Du bleu, beaucoup, partout, et un peu de rouge. Éric le Prince laisse éclater ses couleurs et son imagination au Mans. La nature en général hein, m'inspire. Regarder la nature, moi j'aime bien cette expression, genre regarder le monde comme on regarde l'inconnu. Et essayer de découvrir la nature, je trouve, nous contemporains, ne regardent pas assez la nature. S'arrêter, contempler, découvrir. Des tableaux qui, avant de surgir sous ses coups de pinceau, sont photographiés dehors. C'est des dessins, des photos, de la peinture aussi, quelquefois au bord de la rivière, directement, dans les endroits, de plus en plus. C'est extrêmement varié. Et puis, retourner dans l'atelier ou les ateliers et travailler sur des formats différents, d'abord petits, moyens, grands aujourd'hui, avec des techniques différentes, des supports différents, essayer de varier vraiment, vraiment les sources d'expression, les moyens pour créer un univers et éviter la répétition. Éric le Prince peint depuis une trentaine d'années. Avant, j'étais dans un autre univers, j'étais dans le sport de haut niveau. C'était toute ma vie. Et puis, j'ai basculé dans la création et envie de sortir des choses de moi, en quelque sorte, et de proposer mon monde ou ma vision du monde à travers mes peintures. Son exposition est à découvrir jusqu'au 26 janvier dans le hall de la mairie du Mans.